Yo, c'est Paf, j'espère que vous avez la forme, parce qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, sur Act of Aggression, le jeu qui m'avait offert par GameSpot, les amis. Et là, je vous parle, aujourd'hui, on est le 2, c'est la sortie officielle du jeu. Il est actuellement à vendre une fortune sur Steam, donc les mecs, n'hésitez pas, si vous voulez l'avoir carrément moins cher, allez dans la description, les potes, c'est un ordre. Enfin, après, ça dépend de vous, quoi, si vous voulez vous faire pigeonner ou pas, hein, c'est vous, d'accord. Le dieu du pigeon existe. Et ben voilà, faites-vous pas pigeonner à quoi les mecs. Donc en tout cas les mecs, rappelez-vous, je vous avais fait tester les USA, j'avais testé avec vous les Chimeries, qui sont les Chimères, pardon, qui sont selon moi ma team préférée. Mais là je vais vous montrer la troisième faction, qui est tout simplement le Cartel. Voilà, donc le Cartel qu'on va prendre ici, qui est une faction un petit peu plus développée que les autres, je dirais. Avec des manières de pouvoir se mettre transparent de façon invisible. Donc transparent de façon invisible, je sais pas si t'as compris le truc, hein, Tom, tu sais. Je dis de la merde. Après, ils ont pas mal de trucs, ils sont plutôt portés, je dirais, sur l'héliporté. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a eu trois de très très belles mises à jour. Vous pouvez voir que là, c'est une nouvelle map que je n'ai jamais fait. Je viens de le découvrir là en regardant la map. C'est une nouvelle map donc on a le système de level qui a été refait. Il va y avoir le système de parties classées, parties non classées. Plein de petits trucs vraiment sur lesquels boss et développeur, franchement ça fait super plaisir. Et puis voilà quoi, donc je vous propose, on se retrouve au début de la game. En tout cas, je le répète, si vous voulez jouer au jeu, n'hésitez pas à checker la description. Si ça vous fait kiffer, si vous voulez pas que j'arrête ma série, que je continue à en faire quelques-unes, n'hésitez pas à lâcher un bon gros like, à balancer des commentaires pour me donner des conseils, parce que la faction que je vais vous balancer là, je la découvre pratiquement, j'ai jamais trop joué avec et je la maîtrise pas du tout. Mais écoutez, si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, et à le dire dans les commentaires, à me rajouter sur Steam, etc. etc. Voilà, allez, à tout de suite, peace. Hey hey, c'est bon les mecs, on est là, let's go, on est là. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble, tout simplement de façon ressemblatoire, la faction. Vous allez voir que voilà, mon petit patrouilleur, mon petit bonhomme là, qui va un petit peu partout, eh bien il fait comme ça, c'est un hélicoptère, un hélicoptère. Et donc il va explorer la zone. Donc je dirais que le grand point de cette faction, c'est qu'il a une technologie vachement suravancée. Mais je dirais que le point faible de cette faction, parce qu'évidemment il faut que ce soit donnant-donnant, faut pas que ce soit du cheated, eh bien c'est que c'est une faction qui, a une défense assez nulle à chier, dans le sens où vous allez vous faire exploser de deux. Vous allez voir, si j'ai le malheur de croiser un ennemi, je vais me faire défoncer le truffion, et ça va être relativement sympathique. Hop, allez, on va faire comme d'habitude. On se trace à faire nos petites raffineries. Donc là, cette faction a besoin de tout, mais vraiment absolument tout. On a besoin d'aluminium, de ressources typiques, ainsi que de celle-ci, hein, pour faire tout ce qui est missiles, etc. Après, je viens de découvrir ça, j'avais pas vu cette petite mise à jour, où on voit maintenant les ressources qui sont ici. C'est plutôt sympathique, étant donné que le jeu est sorti officiellement maintenant. Eh bien, forcément, ils ont amené leur petite... tout ce qui va avec, quoi, les petites finitions, vu qu'avant c'était seulement une bêta. Donc évidemment, ce n'était pas un jeu terminé. Voilà, en gros, ce que je viens de vous expliquer, c'est de la merde. Enfin, en gros, ce que j'ai... Enfin bref, voilà, je ferme ma gueule. Je ferme ma boubouche et let's go, parce qu'on est là, il va falloir... Ah, il y a la petite voix et tout, au calme, quoi, j'avais même pas... Ah, nickel les mecs, nickel. Par contre, je préférais la voix de la petite nana, c'est toujours un petit peu plus encourageant quand t'as un mec d'entendre une femme qui t'encourage de façon très encourageante, tu vois. Allez, hop, on continue d'explorer. Hop, voilà, moi je m'appelle Christophe Colomb, mon pote, c'est parti. Là, on continue, tout va bien. Ici, on va faire les petites barrettes pour faire nos premières troupes, pour aller prendre les banques. Ici tout va bien, bon là, il me faut par contre des crédits de base. Ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est que cette barre là, je sais pas du tout. Hop, allez, merde, je fais de la dom, non j'en veux pas, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, donc allez ici, voilà, allez j'en veux une autre ici les mecs, et que ça saute les mecs, et que ça saute, hop. On continue d'explorer, donc moi je joue avec quoi actuellement? Je joue avec un chimera, il faudrait un USA, ce serait parfait. Non, un chimera aussi, donc deux chimeras. C'est pas mal, sachant que moi, je pense que je vais être un petit peu le défaut de la team. Dans le sens où, oula, il y a des petits brises apparemment. Ennemi contact. C'est une mauvaise nouvelle, ça. Ah, c'est ici, ok. Dans le sens où, je maîtrise pas la faction. Donc, forcément. Donc là, c'est ma plutôt petite, on dirait un peu Paris, hein, en façon non Paris. Donc en fait, c'est pas du tout Paris, mais...
Je dis ça parce qu'avec la petite île au milieu, c'est plutôt sympa. Le truc qui est mauvais, c'est que c'est moi qui est juste derrière. Donc s'ils commencent à vouloir attaquer cette zone-là, c'est moi qui vais tous prendre dans la tronche. Et donc ça risque d'être fortement compliqué. Hop, allez, hop, on continue. Moi, j'en veux deux de plus. Après, en termes de rapidité d'exploitation et de ressources, enfin de prise en main des ressources, ça va très très vite, étant donné que c'est des hélicos, ils se posent, ils prennent et boum. Et voilà, c'est du vol d'oiseaux, vu que c'est du vol d'hélicoptères et que les hélicoptères, c'est comme les oiseaux, ils volent. Donc, putain. Et donc, du coup, ben, on passe pas par la route et tout, t'as vu. Et donc, voilà, hop, alors on se reste à faire des petites unités. 1, 2, 3, merde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go. On va faire ensuite quelques petits bâtiments pour des ressources, parce qu'on peut voir que l'aluminium, il va falloir le stocker, etc. Après, il y a plein de petits trucs, on n'a pas forcément besoin d'électricité. Si on veut aller plutôt dans, je dirais, si je dis pas de conneries, dans tout ce qui est héliport, donc tout ce qui est hélicoptère, et c'est ce que je vais faire, on va plutôt aller dans l'hélicoptère. On n'a pas trop besoin d'électricité. Par contre, évidemment, on veut des recharges, donc des chars blindés avec de l'invisibilité, etc. On va avoir besoin d'un maximum d'électricité. Et donc, voilà, voilà, hop, allez, on continue, ça c'est bon. Mes unités, elles se font très rapidement, comme vous pouvez le voir, mais c'est pareil. En termes d'efficacité, c'est pas trop mal. Mais par contre, en termes de... comment dire? En termes de... Merde, parce que je veux pas trop dire de conneries, en fait. Alors le véhicule bay, on va en prendre bien évidemment. En termes de, je dirais, de défense en fait, tout simplement, de bouclier, d'armure, c'est pas terrible, terrible, c'est pas ça. C'est, voilà, on va dire que c'est du Black Ops, c'est de l'explosion, c'est BIM quoi, tu vois. Hop, allez hop, on va prendre... Allez, moi je veux de la... moi je veux du bif les mecs. Let's go. On ira là-bas après, même si je crois que c'était pris. Non, pas du tout. Bon, écoutez les mecs, on va faire différemment. Vous allez là-bas. Hop, et je vais en prendre l'autre, là, on a besoin de monnaie. On veut du bif, ma gueule, on veut du bif. Du bif, du bif. Hop. Hop, allez, let's go, les mecs. Et que ça saute, les mecs, et que ça saute. Hop, voilà, le petit véhicule bail au calme. 1200, on va en faire deux au calme. Et c'est bon, faut vraiment se dépêcher, parce que... on va dire que le jeu vient de sortir officiellement, donc l'avantage pour un joueur comme moi, qui joue au jeu depuis plusieurs mois... on va dire que j'arrive à aller très très vite à tout faire en fait, étant donné que la base du jeu est la même pour les factions, qui est celle de se faire des ressources. Après, on se démerde différemment évidemment, car chaque faction a ses défauts, ses qualités, ses manières, etc. Enfin voilà, et chaque faction est différente, mais l'objectif est la même, c'est de prendre les ressources et de déglinguer l'ennemi. donc du coup, y en a beaucoup qui vont mettre beaucoup de temps à s'habituer, à chercher comment faire, etc, etc. Alors moi, il fallait que j'avance dans le Black Ops, donc j'ai besoin de prison module, ou alors, ah oui, c'est vrai, il faut que j'augmente ça en prison module. Ma base principale qui est ici. Non, c'est pas ça, c'est ça déjà, hop, voilà. Allez, prison module, mon gars, moi je veux de prison module, pour avancer, en fait, après, en Black Ops, et ensuite pouvoir aller dans les bâtiments un petit peu plus avancés. Hop, on a déjà les deux chars. Qui sont pas terribles terribles, hein, je vous le dis direct, c'est vraiment du... Ouais, c'est pareil, très efficace, mais... Une défense carrément du lâcher, voilà. C'est vraiment le mot, hein. C'est vraiment une défense de merde. Ensuite, on va aller ici. Hop, où chercher, ça c'est bon, ça c'est pris, ça c'est pris. Bon, écoutez, on va prendre encore un petit peu d'aluminium. Pour le moment, non, pour le moment, on en a pas besoin, en fait. Donc on va aller là-dedans, par contre, faut que j'évite de perdre du temps comme ça, inutilement. Hop. Voilà, ici le mec, c'est parti. Et que ça saute, motherfucker. Hop, il me faut encore un petit peu de défense, les mecs. Il me faut de la raffinerie. Voilà, pour se calmer un petit peu, les mecs, parce qu'on se concentre en mode concentré tomate. Parce que là, ça va pas être... voilà, ça va être plutôt compliqué. Donc il va falloir, voilà, il va falloir se concentrer. Et je le répète, en mode concentré de tomate. Voilà, donc là, tout se passe bien. Hop, vous allez ici, j'ai besoin de monnaie. Donc ça, je sais vraiment pas ce que c'est, cette petite barre-là, hein. Aluminium, isokir, non, je sais vraiment pas ce que c'est. Donc on va le découvrir ensemble. Ça c'est l'électricité stock, donc moi j'en ai actuellement pas besoin. Enemy detected, je sais pas du tout où c'est. Donc là on a d'autres deux chars, on peut se faire un petit... On peut se prendre pourquoi pas un petit raid, c'est pas un souci. Opticsus, ah ben voilà, il est là l'ennemi. Il est là l'ennemi, voilà, c'est pour ça. Ok, c'est quoi ça? Ok, ça c'est pour ma raffinerie, d'accord. Hop, donc là tout se passe bien, on continue, Il va me falloir rapidement des unités, 4. Mais vraiment, genre très très vite. En plus, on commence à faire un petit peu de bif là, donc c'est cool. Ensuite, on va faire 4 de trucs, on va faire un petit peu de transport de troupes, les mecs. Qu'est-ce qu'il dit?
Stock, ok, les stocks sont pleins. Bon bah écoutez les mecs, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est parti. Voilà, oh, calme. Et ensuite on va pouvoir passer les mecs en... donc je suis passé, ben on va passer en Black Ops, c'est le mec qu'il faut se tracer, hein, c'est... voilà quoi. Du coup on va éviter ça, on va faire comme ça. Là on fait nos unités, et let's go, what the fuck, hein. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir quand même des coéquipiers qui sachent à peu près se démerder. Ils sont en train de se faire du char, comment ça se passe à peu près? Là, tout va bien. Là, tout va bien, ils font leurs unités. Comment ça se passe ici? Lui, il a l'air de... Ah, on a un petit malin, les mecs, on a un petit malin. Il a fait pas mal de tourelles, il s'est carrément déployé sur l'île adverse. Et il a carrément éclaté d'autres... des mecs. Donc, ok, j'ai l'impression d'être avec des mecs plus... Ouh, en fait, non, je retire ce que j'ai dit. En fait, je retire ce que j'ai dit, les gars. Ça pue, ça pue, ça pue. Le mec à droite, il se fait raid, il a aucune défense. On va aller l'aider avec nos petits nos deux petits chars à la mort moineux. Et les deux autres encore ici, mais ça craint un peu, quoi. Ça craint un petit peu, les mecs. Hop, allez, on se trace. Si j'avais déjà mes unités, tout le reste de mes unités, ça aurait pu être vachement plus cool. Ok, Black Ops, c'est bon. Moi, j'aimerais faire tout simplement... Hop, c'est pas ici, c'est ici. Véhicule Bay, Reaper Center. Vous avez vu l'accent un petit peu, t'as vu? Donc, moi, j'ai besoin, pas du Steel Lab, Air Control Center, non. C'est Tokamok, putain, il est où déjà? Style lab, accélérateur, prototype, hélipad, voilà, c'est l'hélipad qu'il me faut. Et en fait, j'ai dit de la merde, il faut un petit peu d'électricité. Hop, voilà, ici, on va même mettre deux générateurs, les mecs. Il faut alors se dépêcher, les mecs. Ok, bon, on les a défoncés, c'est bien. On les a défoncés, oh, calme. Opticsus, en fait, il est avec nous. Toi, je te mets deux mecs là, ici. Parce que je sens que tu vas te prendre une quenelle dans pas longtemps. Ici, on va pouvoir faire un petit raid en mode Okan, comme j'aime les faire. On contourne toute la map, on va derrière la base et BIM! Tu vois, dans leur cul, quoi. Oh, calme, sans grossièreté, bien évidemment. Hop, allez, là, on va chercher pour équiper un petit peu nos Vipers un petit peu mieux. Ici, on a fait un petit Reaper. Ok, ça, c'est mort. Lama, donc ça, c'est des ennemis. On est prêt à les recevoir, les mecs. Enfin, pas vraiment, mais si. Oui, mais non, en fait. Donc, ouais, c'est un peu genre, hein, je sais pas, quoi. Hop. Donc, lui, il a des unités. Lui, je les renvoie là-bas parce que je sens que je vais me prendre une quenelle. Il faut que je sois prêt à la recevoir, cette petite quenelle. Avec plaisir, faut qu'on l'accueille, mon pote. Il faut qu'on l'accueille. Là, on fait nos petites unités au calme. On continue, les mecs, on continue. J'ai besoin d'unités. On va remplir tous ces petits hélicos, là. Ça, j'en veux un deuxième. Ici, comment ça se passe? J'ai mes trois. Ici, j'ai tout ce qu'il faut. Là, on a la défense. Ok, pour le moment, on se met pas trop mal. On se met vraiment pas trop mal, mais on manque quand même un petit peu d'aluminium. Donc on va prendre un petit peu d'aluminium maintenant qu'on en a besoin. Et en plus on a les hélicos qui vont arriver. Donc on a plutôt intérêt de se tracer le trou du cul. L'hélipad qui est ici. Go. Voilà, nickel. Hop, vous allez vous mettre directement spawn ici. Au calme, vous ici. Et que ça saute, motherfucker. Ok, on a des ennemis ici. Vous savez ce qu'on va faire, les mecs? Est-ce que vous le savez, ce qu'on va faire? Je sais que vous savez que je sais que vous allez... Que vous savez que je sais ce qu'on va faire. Vous le savez, les mecs? On va aller faire un petit raid, mais avec l'hélicoptère, les mecs. Ça va être... Ok, mais on va aller avec l'hélicoptère. On va se mettre au-dessus de la base, ici. On va capturer, tout simplement, sa raffinerie. En plus, c'est une raffinerie du cartel. Donc, on va pouvoir la capturer relativement rapidement. On va la capturer, elle sera à nous. On va se faire des ressources en plus. Ça va être une véritable déclaration de guerre. Mais c'est pas grave. Ok, il est prêt à me balancer des unités. Donc, on va se préparer, les mecs. On va se préparer à en recevoir plein les fesses. C'est moi qui vous le dis. Alors, vous montez, les mecs. Et le reste montrera à côté. Les hélicos, ça va pas tarder d'arriver. Il faut que ça bouge son cul. Ici, c'est bon. Boum, boum. J'ai besoin encore, les mecs. J'ai besoin d'un maximum d'alu maintenant. C'est maintenant, les mecs, que j'en ai besoin. Hop, ici, j'en ai. Au calme. Ok, c'est pas vraiment un très bon dépôt, mais c'est pas grave, on en a besoin quand même. Toi, tu te prépares à recevoir plein de roquettes dans ta face, parce que t'es en première ligne. Ensuite... Bon, le deuxième, il stresse ou quoi? Ok, on l'a, c'est bon. Nickel. Allez, on va faire le premier raid. En fait, il faut vraiment que j'essaie de les affaiblir un maximum. Il me reste 3 places. 1, 2, 3. Voilà, on va faire 3 comme ça. 3 places, ce sera bon. Ok, ici, ils sont attaqués. Mais c'est bientôt nous qui allons le faire. Par contre, je vais faire attention de ne pas lancer toutes mes unités. Quoi. Celle-ci, je vais bien les laisser un petit peu derrière. Parce que généralement, voilà, c'est...
Je vais même plutôt les mettre ici mes chars en fait, parce que face à moi j'ai une unité du cartel donc il va à peu près travailler de la même manière que moi je pense. Et c'est vraiment ça la complication de la chose qui est plutôt compliquée. Hop, donc là on les a, et let's go les mecs, voilà, c'est ça que j'aime. Boom, pim, let's go motherfucker. Voilà, je sais, je dis tout le temps, ok, on se fait attaquer à la roquette apparemment. Ok, Optics là qui est là. Ok, il fait un petit... il voit un petit peu comment ça se passe. Et nous, on y va, les mecs. Explosive. Ah merde, j'ai pas mis les tourelles dessus, sa mère. J'ai pas mis les tourelles dessus. Ok, on atterrit ici, les mecs. Go, go, go. Un qui atterrit ici. Hop, ici, les mecs. Hop, go. On atterrit ici. Go, 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 go. Go, 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 go. Voilà, c'est ça qui est bon. Hop, toi, mon gars, tu les captures, cette base. Ah merde, je ne peux pas. Toi, capture... Putain, mais je ne peux pas. Allez, mec, on leur fait mal. On leur fait des gros bobos. On leur fait des gros bobos. Ah, merde, bah en fait, on s'est fait démonter. Mais comment il a fait pour me démonter aussi vite? Telle est la question. Ok, les hélicoptères, on les a. Regardez, c'est des petits hélicos OCAM, bien, bien transparents, comme il faut. Franchement, en fait, c'est des hélicos pareils. Hein. Ils font très, très mal. Bon, en termes d'efficacité, c'est un peu de la merde. Et vous l'avez vu vous-même, hein, avec... Ah d'accord, c'est lui en fait qui lui balance des roquettes sur la gueule. Ok. Et vous l'avez vu vous-même, hein, j'ai lancé deux hélicos. Les hélicos, je les ai fait très très vite, mais vraiment très très vite. Mais vous avez vu à la vitesse que je me suis fait démonter. Vraiment un truc de malade. Alors il me faut encore de l'alu. Un, deux. Ensuite, j'en ai un autre spot, je sais pas trop où. Mais il va falloir qu'on le démonte et que je prenne le contrôle de l'île, hein, parce que j'en vais vraiment en avoir... La grande, grande, grande utilité, les mecs. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Tomahawk Generator. Ça, c'est un Steel Lab. Il va me falloir un Steel Lab pour faire des petites recherches, pardon. Pour améliorer mes hélicos. J'en avoir extrêmement, extrêmement, extrêmement l'utilité. Il va me falloir encore... En fait, il va me falloir vraiment de l'alu, là, qui est ici, quoi. Ok, on se prend des raids dans la gueule. Mais c'est des petits raids pas trop méchants, donc ça va. Hop. Ici tout va bien, on va bientôt leur lancer un autre raid dans la face. Et ensuite il me faut encore, on va prendre le risque hein, mais bon il faut prendre des risques dans la vie. Écoutez, on va aller prendre celui-ci. Merde. On va se l'acquérir les mecs, j'en ai besoin. Hop, ici tout va bien. Il va falloir qu'on lance encore un petit raid. 5, ok c'est en complet mais les bâtiments sont pratiquement totalement endommagés. Alors écoutez les mecs, on va lancer déjà un premier raid comme ça. Ok, ok, on se fait attaquer les mecs. On s'y fait attaquer. Il va en prendre plein les queues. Viens là mon petit. En plus ça doit être, c'est une cargaison. Ça doit être plein, 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 plein à craquer de soldats. Alors les mecs, on va aller se faire plaisir. Allez, prends ça dans ta face mon pote. Attaque-le. Voilà, et le deuxième maintenant. Pourquoi tu ne balances pas des belles... Ok, il veut s'échapper mais faut qu'on l'éclate avant. Bon, tu l'éclates ou quoi? Voilà, c'est bien. Bien, wesh. Au calme. Bon, en fait, les roquettes, il faut que je fasse la recherche. Le Steel Lab, il est ici. Ouais, les roquettes, elles sont... je sais pas, mais il faut que je fasse la recherche pour les roquettes. Bah, en fait, elles... Parce que là, le problème, c'est que c'est du petit tir de merde. Mais vraiment, à la con. Hop, ça, on va faire la petite recherche. Là, je continue d'en construire à balles. Et on va leur balancer un petit raid sur la face. Au calme. Au calme. Hop, allez. Un petit raid. Ça fait pas de mal, les mecs. Ça ne fait point du mal, motherfucker. Ok. On est là, les gars. On va aller détruire celui-ci, les mecs. Vous allez voir, c'est vraiment futuriste. On dirait des missiles un peu... c'est un petit peu longue portée, en fait. Avec... un peu longue portée en fait, ça fait un petit peu des styles de rayons laser en fait. Hop, allez, on balance les hélicos, il y en a d'autres qui arrivent. Faut vraiment être en progrès constant, regardez la thune que j'ai quoi. C'est un truc de ouf. Ok, on va s'approprier celui-là. Hop, allez les mecs. Voilà, plus 2 damage, fois 2 damage, pourquoi? Vous avez vu? En fait ils se font des dégâts entre eux. Franchement s'il y a quelqu'un qui sait pourquoi... N'hésitez absolument pas à me le dire parce que c'est vraiment un truc de malade qui me fait mais hyper chier quoi. C'est vraiment un truc qui me fait mais hyper 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 chier. C'est qu'ils attaquent entre limites en fait, vous voyez. Hop, ok on a encore perdu. Là c'est bon. Là on continue de faire des unités au calme.
Là, faut qu'on continue d'en faire, qu'on continue. Là, j'ai mon petit maintenant, mon ghosto, que je vais en refaire deux. Il me faut d'autres unités. Rapidement, hop. Là, tout va bien. J'ai balle de boue. De trucs. C'est un truc de malade mental, quoi. J'ai un stock assez incroyable, donc il va falloir qu'on en profite, quoi, parce que. Ça va être l'icaca, sinon. Ça va être l'icaca. Hop, là, c'est bon. Hop, hop. On a besoin de ça. Oui, je ferai la recherche, t'inquiète pas. Hop, là, c'est bon. Je ferai la recherche. Normalement, je la fais directement via les trucs. Voilà, c'est comme ça. Hop, on va le faire. Maintenant, j'ai besoin d'un maximum. Un maximum de trucs. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Par contre, ce serait judicieux de ma part si je pouvais faire quelques petites défenses. Parce que là, actuellement, on se fait attaquer. Je suis dans une merde monumentale. Alors qu'il y en a un qui est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, problème de connexion, un problème de serveur, apparemment. C'est génial. Ou alors, il y en a un qui fait bugger tous les serveurs. Mais il est de retour! C'est bon, il est de retour, il est là! Ok, ça c'est mon ami, il est là. Ok, on se fait attaquer ici. Ouais, bah en fait, on s'est fait attaquer par de l'hélico, donc j'ai rien pu faire. Voilà. C'est génial. On va se venger, les mecs, venez là. Venez là, les gars. Voilà, on s'est fait niquer comme des merdes parce que j'ai baissé ma garde, j'ai même pas regardé ce qui se passait. Hashtag, paf, le gros blaireau. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller le démonter, cet enfoiré, là, avec nos hélicos. Si vous l'avez vu, hein, mes hélicos se font très, très vite. Je peux en faire un nombre assez important très, très rapidement. Mais en termes de... En termes d'efficacité, c'est pas mal. Mais en termes de défense, c'est vraiment de la merde, quoi. Allez, les gars, mettez-leur bien profond. Voilà, vous avez vu? C'est ouf, hein. Enfin, c'est... On les a démontés en 2-2, quoi. Ah, mais par contre... Ah, ben non, ils étaient cachés. Allez les gars, x2 damage, voilà, c'est ça qui fait plaisir mon gars, c'est ça. Allez, on revient là, il faudrait que je fasse un petit véhicule bay ou je sais pas quoi pour pouvoir réparer mes unités, parce que sinon ça va être la merde. Comment je fais ça? Ça c'est pour faire un HQ, je m'en bats les steaks. Je m'en bats les couilles. Hop, là c'est bon, là on continue d'en faire, j'en ai besoin d'un maximum, mes deux ghost ils sont là. On a nos unités qui sont là, qui sont al, ils sont al. Mais comment je fais pour faire mon truc de défense? Je serais j'aimerais bien le savoir en fait. Steel lab, il va falloir un steel lab en plus. Là, hop, voilà. Avec deux de plus, il va me falloir un steel lab. Ça c'est clair, net et précis. On va même déjà le lancer très rapidement. Un underground pour faire des véhicules lourds, transparents. Et un tomahawk generator. Qu'est-ce que c'est que ça? Average resilience, factor, bombers. Ok, c'est un truc pour faire des bombes apparemment. Donc boum, hein. Écoute, si ça fait des bombes, des trucs qui pètent de partout, moi je suis preneur. Mais j'aimerais bien avoir un truc pour pouvoir réparer tout simplement mes unités. Je sais absolument pas, mais absolument pas comment on fait. Hop, ça pour stocker tous mes modules, tout mon style. Mon rare, bah, je suis un bidule, quoi, toi-même tu sais. Hein. Et voilà, ça commence. Let's go les gars. Là on construit. Ensuite il va me falloir ça. J'ai besoin d'un steel lab qui est en construction, si je dis pas de conneries, qui est même déjà là. Voilà, le steel lab est là. 2250 pour faire les roquettes, les fumigènes, let's go. Et ça, ça va être les défenses pour les bays, pour les radars. Scorpion, Vextra, Amos, c'est un camouflage, mais ça j'en ai pas le tweeté pour le moment. Increase, mercenari, infanterie, donc de la santé pour les mercenaires. Allez les gars, voilà, on balance. Mais là on va avoir besoin encore d'un maximum de trucs. Celui-ci, il me génère plus beaucoup de thunes. Celui-ci, plus beaucoup. On commence à être un petit peu à sec, en fait. On commence à être carrément à sec. Vous revenez. Si vous capturez, il va se faire de la thune sur notre dos et ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Hop. Ah merde, ici, il m'a niqué mes hélicos, l'enfoiré. Hop, on en fait 3. Je serais bien tenté pour aller prendre celui-ci, là, mais... C'est un petit peu risqué. Mais bon, qui ne tente rien à rien, les mecs. J'en ai besoin de 6. Écoutez, on va refaire des unités. On va refaire quelques petites unités au calme et on va aller s'approprier ça là. C'est vraiment le meilleur moyen de se faire de la thune, tout ça. Bim! Let's go, motherfucker! Ça, ici, on se prépare. On se met là au calme. Ensuite, les hélicos, hein. Regardez tout ce que j'ai là comme hélico, c'est un truc de ouf. Les hélicos, on se prépare aussi parce que, bien évidemment, ça sent la merguez catalane avec la petite quenelle surtout qu'on va accueillir à bras ouverts. Allez les mecs, ça c'est bon. Pour le moment on se met pas trop mal, le style lab ça continue. Là on est pas trop mal, hop, je me remets.
Ok, lui il est dans le caca ici. Ah non, il fait un raid. Ok, bon bah écoutez, regarde ce qu'on a. Une attaque aérienne, plus une attaque. Ok, let's go les gars, on va aller lui filer un petit coup de main. Hop. Ah non, c'est qu'il se prend un gros raid dans la gueule. What? Toutes les unités qu'il a perdu mon gars. Ok, ah merde, ah l'enculé, ah l'enculé. Regardez cette défense de ouf qu'ils nous ont fait là. Les gars, on raid, on s'en fout tout ça là. On va perdre des unités inutilement. Ok les gars, on y va. On va aller lui niquer tout ça là. On va lui niquer, il va rien comprendre à ce qui se passe là. Bim! Allez les gars! Alors, en plus on fait même pas dans le denti aérien, hein? Alors, on prend cher mon gars, on prend cher. Bah moi aussi je prends cher par contre. Nice. NP. Voilà, no problem, motherfucker. Il est pas dans l'anti-aérien. Faut niquer celui-là là, qui leur remet de la santé. Bon, il m'a niqué, c'est pas grave. C'est pas grave, on continue les mecs. Je crois bien que je vais faire un deuxième... Un deuxième hélipad. Boom. Parce qu'on en manque carrément d'hélicoptères, hein. C'est un truc de ouf. Hop, ici, on a besoin d'unités les mecs. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1000. Ah, il a repris le truc. Ah, alors... Ok. C'est mon coéquipier. Putain, l'enfoiré, quoi. Ah, l'enfoiré, sérieux. Ok, donc là, il se prend encore un raid dans la gueule, apparemment. Ok, tout va bien. Alors, ça sert à quoi, du coup? Ok, bah, c'est pour tout ce qui est 1000, etc. Ouais, voilà, bah, c'est tout ce qui est aéroporté. Écoutez, on va se faire un petit plaisir, les mecs. Light Bomber Drones. Ok, un petit drone de combat. Ça, c'est... Air supérieur, donc ça c'est pour les airs, et ça c'est, ok, hop, let's go les mecs, ça c'est en gros un bombardier, c'est en gros un gros bombardier qui fait bien mal, toi-même tu sais, là c'est bon, on va pouvoir aller capturer d'autres trucs, là ce qu'on va en avoir vraiment besoin les gars, hop, ça je prends, et celui-ci je prends les gars, je m'en approprie le territoire, on va prendre celui-ci aussi, là, et on va prendre celui-ci, on n'est pas là pour enfiler des perles les mecs, bim, let's go. Un petit peu de défense au calme. On sait jamais. Ici, par contre, il n'y a plus beaucoup de trucs pour se défendre. Là, c'est un petit peu la merde. Mais c'est pas grave. Hop, là, on continue. Ça, c'est bon. Allez, au boulot, mec. Au boulot. Là, c'est bon. Là, on continue de faire les unités. Pour le moment, on est vraiment... je dirais pas qu'on est pas mal. Mais je dirais qu'on est pas trop mal. On est pas trop mal. Sérieusement, on n'est pas trop mal. Ici, les recherches sont terminées. Ici, c'est bon. On n'a pas besoin d'électricité. Et là, on a bientôt notre bombardier. Là, on a bientôt notre fucking bombardier. Là, on va pouvoir leur lancer bientôt un petit raid, mais on a besoin de ça, quoi. On a besoin d'un max. Mais l'enfoiré, là, je voulais le prendre, ce truc-là, mais il me l'a pris, quoi. Il me l'a chourave. What? Alors? Ok, il me lance un gros raid avec son comanche, là. Mais c'est bon, il s'est fait éclate. Je sais pas si quoi qu'il a détruit, mais il s'est fait éclate. Ok, on en a découvert un là. Boum, on prend. Par contre, c'est ces deux-là, hein. C'est carrément, carrément risqué. C'est pas grave. Il faut prendre des risques dans la vie. Qui lance des gros trucs comme ça, tu sais. Là, on continue d'en faire un max. Là, on continue. On va pouvoir lancer bientôt nos petits raids. Hop. Et dès que je vois... vraiment, dès que je me fais raid ou dès qu'on lance un putain de gros raid, je lancerai... vous allez le voir, je lancerai un bon gros... Ok, ben là... Ok, il est prêt à relancer un petit raid. Je lancerai un bon gros bombardier sur leur tronche, les mecs. Qui est juste ici. Bientôt terminé. Qui leur fera bien mal. Hop. Et vraiment faut faire une attaque de l'intérieur aussi. Que je pourrais faire aussi via mes ghost talk en fait. Et ce qui est bien c'est que j'ai des tourelles à l'extérieur pour me défendre. Mais j'ai aussi... Ok. Là c'est un ennemi. Si tu pouvais le démolir ça me ferait super plaisir. Et donc voilà. Ici on continue d'en faire un petit peu. Écoute. Ok, on se fait raid. On se fait raid les gars. On se fait raid, ça fait pas beaucoup de plaisir ça. Et ça c'est vraiment le truc, ces petites unités là, je peux rien faire quoi. Allez les mecs, on va se débarrasser d'eux là, hein. Écoutez. Au revoir. Ah, tout le plaisir était pour moi, hein. Voilà, à l'année prochaine. Ciao. Espèce d'enfoiré et des enculés de ta race. Là on va l'emmener ici. Oh, ah non putain, là il y a des unités, cet enfoiré là. Là, il a des unités. En fait, faut toujours que je laisse ça, c'est avec moi, apparemment. J'en ai l'impression, du moins. Écoutez, celui-là, on va l'annuler. Parce que je sens que j'aime prendre une grosse quenelle. 1, 2. Ah non, c'est pas avec moi, ça. Hein. Justement, il est en train de m'éclater mes unités, l'enfoiré, quoi. Là, j'ai mon bombardier qui est prêt.
I'm bro. Hop, voilà. Comme ça, dès qu'il lance un raid, moi j'ai ce qu'il faut pour le... pour les contrées où lorsqu'on lance un raid et qu'on a un bon truc bien vilain qui nous attaque. Bah écoutez, on sera prêt les gars. Et là, regardez ce qui fait plaisir, hein, c'est que je suis pété de ressources. Et laisse tomber tout ce que je fais, c'est un truc de malade. Mais je vais arrêter d'investir par contre dans les petites unités à la con. Parce qu'à chaque fois je prends cher. Et ça on va le capturer les mecs, ça fait plaisir par contre. Ça, ça fait plaisir. Ça par contre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des unités ennemies? Ok, non, tout ça c'est à moi. Hop, allez hop, on dégage les mecs. Jamais de la vie, je voudrais qu'ils capturent nos trucs. Voilà, regardez à la rapidité qu'on fait nos hélicos. Hop, hop. Mais vraiment, je pense que vous allez me filer des bons gros conseils, ça fait bien plaisir. Parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Ok, celui-là, il est terminé. Ciao. Celui-là, il est bientôt terminé aussi. Lui, bah, il a plein de labos de partout. Est-ce que j'ai moyen d'en faire, moi aussi, des petits labos comme ça qui génèrent de la... Générate 4, mais j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de générateurs, mais de... bah, pas de ça, en fait, quoi. Pas de ça. Ah, un repair, un véhicule bay. Le véhicule bay, je peux le transformer. Hein. Apparemment, là, je ne peux pas. C'est un petit peu la merde, quand même. Hop, allez. On va là, et on va lancer un petit raid dès qu'ils seront prêts. Ça serait bien, un petit raid des familles, toi-même tu sais. Hop, là il va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, ça va faire du gros gameplay, hein, les gars, hein, mais bon. Ça va faire... Oula, il va se prendre un raid dans la gueule. Il va se prendre un raid dans la gueule, j'y l'ai vu. Ou alors c'est moi, hein. Ou alors c'est moi, mais bon, écoute, regardez les hélicos, le nombre d'hélicos que je fais à la minute, quoi. Ah, ça dégage. Hop, là on a aussi, c'est bon. Là, on l'a, c'est bon. Là, tout se passe bien, pour le moment, à peu près, à peu près, à peu près. Là, on génère. Et on va se préparer quand même à se prendre un éventuel raid dans la gueule. Parce que je sens le gros raid dans la gueule, moi. Je sais pas pourquoi, hein. Mais c'est soit ici, soit chez moi, lui, il l'a vu aussi arriver, je pense. Soit moi, soit lui va se prendre un putain de gros raid dans la gueule. Mais j'ai ça, là, pour m'aider. Mais faut vraiment que je fasse attention à pas lancer contre moi-même, en fait. Est-ce que je peux, genre, le balancer ici? Ouais, mais ce serait pas malin, quoi. Faudrait d'abord avoir un petit éclore pour voir comment ça se passe. Et c'est ce qu'on va faire. Boum! Voilà. Où est-ce qu'ils l'ont vu? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ok, lui, il se prépare à se faire un raid. Regardez le nombre d'hélicoptères que j'ai, quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, les mecs. Et hop, il faut en faire encore, les mecs. Je suis pas d'accord, mais... Moi, je suis pas d'accord. Hop, allez, ça dégage. Moi il me faut par contre encore de l'alu, quoi. Il me faut encore de l'aluminium. Je manque d'aluminium, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Là j'en ai apparemment. Boum, ça dégage. Oula, c'est quoi ce qui se passe là? Ok, c'est... Ok, on lui a bombardé la tronche. Tout va bien. On lui a bombardé la tronche. Là je génère. Mais faut qu'on se dépêche, regardez là. J'ai plus d'aluminium, j'ai plus rien du tout, quoi. Et en plus j'ai totalement pris le contrôle de la petite île du milieu, mais... Elle est pas aussi bien défendue que ça, quoi. Elle est même très mal défendue, je dirais. Ok, Reaper Drones. Psychops Training. Donc, grant second attaque de garde de l'habilité de la Socoption 1-1. Ok, on va le faire. Back, c'est une prison module. Off back, c'est un aluminium. Ok, véhicule bay. Upgrade. Mais, ok. Ça, c'est quoi? Breaching Training. Grant second attaque de garde de l'habilité of capture enemy building. Ok, pour capturer les unités des ennemis plus rapidement. J'aurais dû le savoir plus tôt. Vous avez vu, en soi... J'ai pas grand chose, quoi, en fait. Ok, on va lancer un petit... Ok, je me fais attaquer ici. Bon, bah écoutez, hein, je pense que j'ai assez d'unités pour le contrer. Allez, ça dégage une petite roquette chacun, là, au calme. Allez ! Ça dégage ! On va lancer un petit peu ce qui se passe ici. Ok, il me balance des raids sur la gueule. En fait, il veut vraiment... là, j'ai l'impression qu'il veut me sortir un peu de... Il veut voir, en fait. Il veut voir, en gros, ce que j'ai chez moi. Mais nous, regardez, j'ai lancé un petit éclaireur. On va voir comment ça se passe. Ok. Mon éclaireur s'est fait démonter. Là, ici. Ce que je propose, c'est qu'on fasse ça, les mecs. Ce que je propose, c'est qu'on fasse ça. Allez, les gars! On va leur faire bien mal et derrière, on lance un petit raid. Et j'ai de la roquette, les mecs, hein. J'ai de la roquette. L'enculé ! Non !
Non. J'ai plus rien, les mecs. Non. C'est quoi cette attaque de la mort qui tue qui m'a lancé? Du coup, même mon avion a été refusé. Mon dieu! C'est quoi cette attaque? J'ai perdu, c'est pas possible. J'ai plus rien, j'ai même plus ma base, j'ai perdu. Je peux plus rien faire, les mecs, ils m'ont niqué. C'est quoi ce nucléaire que j'ai fait? Il m'a niqué ma base de commandement, je peux plus rien faire. Une fois que tu l'as perdu, t'es perdu, mon gars. T'es perdu, mon gars. Je ne peux même plus en construire. Je peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Si, j'ai peut-être une petite chance. Écoutez, j'ai peut-être une petite chance. Mais je pense que j'y arriverai pas. Là, j'ai tout plein d'unités en plus. J'ai peut-être une petite chance, mais dis-moi qu'il m'en reste, s'il te plaît. Putain, je trouve même plus mes unités. Voilà, elles sont ici. On va tenter le tout pour le tout, les mecs. Regardez ce qu'ils nous balancent. Même mes unités, bah en fait, du coup, tout a arrêté de travailler, étant donné que j'ai plus rien pour me défendre. Pourtant, regardez la monnaie, hein, je l'encaisse, quoi. La monnaie, je l'encaisse, les mecs. Mais on va tenter le tout pour le tout, mais le problème... c'est que ça va être compliqué, parce qu'en fait, l'idée, c'est que je capture, eh bien, la base d'un ennemi. Donc, le problème, c'est que je n'ai rien, en fait. C'est-à-dire que... Où sont mes deux hélicoptères? Ils sont là, mes deux Ghostok. À l'intérieur, c'est les seules unités qui pourraient capturer les unités des autres. Et ça va être extrêmement compliqué. Donc, qui tente rien à rien, vous me direz. Ça va être la merde. On va aller de ce côté-là. Voilà. On va tout donner. Voilà, tout ce que j'ai, toutes mes unités, les mecs. Et le tout pour le tout. On n'a plus rien à perdre maintenant. On s'est fait exploser. De toute façon, j'ai perdu, les mecs. Donc on tente le tout pour le tout maintenant. On tente le tout pour le tout. Alors là, ça, ce sont nos coéquipiers. Là, il m'a explosé des petites unités, là. Ça, ce qui me fait bien, bien chier. Red One Base. And... My, QG. Je sais pas si ce que j'ai dit est très français, mais en tout cas, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire, je peux rien faire de plus. Je peux rien faire de plus. Là, ils peuvent me balancer des raids, hein, les mecs, hein, j'ai rien. Ils peuvent me balancer des raids, je n'ai plus rien du tout. Là, je leur ai demandé, enfin, je sais pas si ce que j'ai dit était bien français. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on balance un gros raid des familles et que je capture leur base principale, en fait. C'est vraiment ce que je souhaiterais. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai tout ce qu'il faut pour. Mais ce qui est pas bien, c'est que je n'ai que deux Ghostok, quoi. C'est deux pauvres Ghostok équipés. Et lui, il essaie de lancer des petits raids à la con, mais... Il fait n'importe quoi. Bon, écoutez, on va y aller. Là, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Non, il se prépare à se faire raid, je crois. Je crois qu'il se prépare à se faire raid. En fait, il s'en bat les couilles de ma gueule, quoi. En termes clairs, il s'en bat les couilles de ma gueule. Bon, allez, les gars. C'est maintenant. C'est le combat. C'est maintenant. Ou jamais. Putain de sa race. Maintenant, restez surtout invisibles, les mecs, s'il vous plaît. Surtout, restez invisibles. Leur base principale, elle est là. Elle est où? Elle est où, leur base? Elle est là. Allez, mec, on fait du dégât. On fait du dégât. C'est quoi leur base principale? C'est ça, là? Ok, on nique pas leur base principale. On ne nique pas leur base principale. Hop, allez, on dégage. On laisse, voilà, on fait un maximum de dégâts. Et les Ghostok vont se ramener. C'est vraiment ma seule chance, les mecs. Voilà, il lance un gros raid, mon coéquipier aussi, apparemment. Alors, celui-là, je veux qu'il aille ici. Il me dépose tout. Ici. Et on prend tout. Non, 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 pas ici, pas ici, pas ici. Casse-toi, 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 pas ici. No, district QG. Allez, ici, les mecs. Voilà, hop.
Et là on atterrit les mecs. Là on atterrit maintenant. Avant d'être détruit les mecs. Go. Maintenant. Ok les gars. Toi, t'y vas mon gars, tu captures cette fucking base. Let's go. Pourquoi je peux pas la capturer? On capture les mecs. Faut pas qu'ils me détruisent ça les mecs. Allez, trace-toi à capturer ça là. Ah putain, je crois que c'est mort. Qu'est-ce qu'on s'est pris dans la gueule? Allez, capture-moi cette putain de base là. Pourquoi tu fais tout le tour? Dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est pour moi ça. Il brûle ce con. Putain. Capture-moi ça, merde. Allez, mais il brûle ce con. Non, QG, putain, c'est pour moi. C'est pour moi, les mecs. Allez, résiste, s'il te plaît. Résiste, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non ! Allez, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Mais quelle bande de cons. Mais quelle bande de cons. J'allais la prendre. Non. Non, pourquoi? On avait réussi. On l'avait fait. Pourquoi? Pourquoi? Elle était pour moi. Ah, oh, fais chier. Oh, la déception. Ah, ce moment de désarroi, les mecs. Oh, putain, elle était pour moi, là-bas. C'est dommage. Franchement, j'ai... Voilà. Après, j'ai perdu, mais je me suis battu jusqu'au bout, les mecs. J'ai mis toutes mes forces, j'ai mis tout ce que je pouvais pour détruire l'ennemi grâce à moi. Entre autres, on a réussi à exploser un ennemi. C'est quelque chose qui est très très bien. Mais... on a réussi à exploser vraiment un ennemi. Mais vraiment, j'ai pas arrêté de leur demander de me laisser le QG, j'allais le capturer. Et ce qui serait passé en fait, si j'avais capturé leur QG, ben moi, j'aurais pu reconstruire une base, j'aurais pu recommencer à zéro en quelque sorte. Mais pas vraiment à zéro, parce que vous avez vu toute la monnaie que j'avais, donc j'aurais, voilà, je me mettais bien quoi, je me mettais vraiment bien. En tout cas les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si c'est le cas. En tout cas, bah, si vous souhaitez que je continue à faire des petits épisodes, jouer avec moi, etc., n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, vous me la faites péter à chaque fois sur les Act of Aggression, donc je compte sur vous là les mecs. Et puis voilà, après on se dit à très bientôt pour un prochain gameplay, c'était Paf, à savoir que le mois de septembre est un mois très chargé pour moi, ça va être la reprise des vidéos, je vais balancer pas mal de vidéos, j'ai tout cash, j'ai FIFA. Vous l'avez vu, j'ai aussi Metal Gear Solid aussi à mon petit let's play. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, le soutien, ça fait le plaisir. Et puis voilà quoi, à bientôt, c'était Paf. Bisous sur les fesses, peace.